allons nous tenir debout afin de lire quelques portions de la parole. Aujourd'hui, mon sous-thème dans ce thème, le jeûne que Dieu agrée, mon sous-thème, c'est les péchés de la langue. Les péchés de la langue. Tu peux dire ça à ton voisin, les péchés de la langue. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te sourit. Amen. Jacques 1, verset 26. La Bible dit, « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, bride, c'est-à-dire discipline, parce qu'on bridait les chevaux, afin de les dompter, de les conduire, on mettait un mort, quelque chose dans leur bouche, pour les diriger avec des fils. Si quelqu'un croit être spirituel, sans tenir sa langue en bride, sans discipliner sa langue, mais en trompant son cœur, sa spiritualité est vaine. » Amen. Quelqu'un qui dit être spirituel, mais qui ne discipline pas sa langue, n'est pas spirituel. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est petite, mais elle peut détruire toute ta vie. Elle peut détruire ton jeûne, elle peut détruire ta prière, elle peut détruire ton ministère, elle peut détruire ton foyer, elle peut détruire tes amitiés, tes relations. La petite langue que tu as dans ta bouche, qui n'a que quelques centimètres, toute petite, qu'on ne voit presque pas, cette langue-là est un feu. Comme un petit feu peut brûler toute une forêt, cette petite langue-là, au-delà d'une forêt, peut brûler toute ta destinée. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie. C'est seulement parce qu'ils ne savent pas parler. C'est tout leur problème. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Et même dans le domaine du jeûne, de la prière, la langue est capable de brûler tes prières et Dieu ne t'exauce pas. Et au verset 6, « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. » Jacques reconnaît que sur la langue, il y a le feu de l'enfer. Sur la langue, il peut avoir le feu de l'enfer, pas seulement le feu du Saint-Esprit. Lorsque tu parles par l'Esprit, le feu du Saint-Esprit sur ta langue, mais quand tu parles dans la chair, c'est le feu de l'enfer qui est sur ta langue. Chaque fois que tu ne parles pas, selon le Saint-Esprit, c'est le feu de l'enfer qui est sur ta langue. Et au verset 8, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » L'homme peut dompter des navires, dompter de l'eau, dompter le feu, dompter des chevaux, dompter le tigre. Mais pour cette langue-là, l'homme est incapable de dompter la langue. Seul le Saint-Esprit est capable de dompter la langue. Si tu es chrétien, tu n'abandonnes pas ta langue au Saint-Esprit. Tu n'arriveras jamais à la dompter. Et tu auras des problèmes malgré que tu as le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais ne permettent pas au Saint-Esprit de dompter leur langue. C'est pourquoi ils ne bénéficient pas de la provision complète du royaume. Alléluia. Et là, Dieu compare l'homme même à un serpent. Quand on dit la langue a un venin mortel, ce sont les serpents qui ont un venin mortel. Mais la Bible reconnaît aussi que l'homme aussi a un venin dans sa bouche. Par tes paroles, tu peux devenir un serpent. Je répète, par tes paroles, tu peux devenir un serpent. Et Dieu n'exauce pas les serpents. Alléluia. Dieu n'exauce pas les serpents. Les gens qui mordent, qui empoisonnent la vie des autres par leurs paroles, Dieu ne les bénit pas. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal
et ses lèvres des paroles trompeuses. Si tu veux être heureux dans la vie, Dieu donne un conseil simple. Pierre, si tu veux et tu aimes la vie et tu aimes le bonheur, fais ceci, préserve ta langue du mal. Dans le sens contraire, si tu veux le malheur et tu veux des problèmes dans ta vie, dis tout ce que tu veux dire. Alléluia. Dis tout ce qui vient. Dis, tu auras des problèmes dans ta vie. 1 Pierre 3, plutôt 1 Jean 3, verset 18. La Bible dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec la vérité. L'amour remplit le cœur et peut sortir par la bouche. Mais quand la bouche parle sans que l'amour ne remplisse le cœur, cette langue-là est une langue hypocrite. C'est pourquoi la Bible interdit l'amour des lèvres sans que ce soit l'amour du cœur. L'amour doit commencer dans le cœur, ensuite dans les lèvres. Une langue déconnectée au cœur est une mauvaise langue. La langue doit toujours être connectée au cœur et un cœur en bonne santé, un cœur rempli d'amour. Si ton amour n'est que des lèvres, mais pas du cœur, ce n'est pas l'amour. Mais quand l'amour véritable remplit le cœur, il s'exprime aussi par des paroles. Alléluia. Lisons maintenant notre texte de base. Nous sommes dans... Quel est notre texte de base? Acclamez pour vous-même. Voici, nous avons prêché mercredi du verset 1er jusqu'au verset 3, c'est ça? Ok, verset 4 à présent. Ésaïe 58, verset 4. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et pour vous quereller, là c'est la langue, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner sur le jeûne que Dieu agrée. Et nous voyons au verset 4, la Bible dit, « Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. » C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de jeûner, vous vous disputez et vous vous quereller. Vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. C'est-à-dire que les querelles et les disputes empêchent à Dieu d'entendre la prière. Et quand quelqu'un jeûne, le diable le pousse à se quereller, à se disputer. Il pousse des gens à te blesser, à faire des choses qui vont te pousser à te disputer, à te quereller. Parce que Satan aussi lit la Bible et il sait que cela va empêcher que ta voix soit entendue en haut. Un homme qui ne sait pas utiliser sa voix en bas ne sera pas entendu en haut. La manière dont tu parles en bas avec les hommes détermine la manière dont Dieu va entendre ta voix quand tu lui parleras. Un homme qui ne sait pas parler aux hommes ne sera pas exaucé par Dieu quand il parlera à Dieu. Un homme qui ne sait pas parler aux hommes ne sera pas exaucé quand il va commencer à parler à Dieu. Si tu ne sais pas parler aux hommes, Dieu ne t'exaucera pas quand tu lui parleras. Pourquoi? L'homme est créé à son image, à sa ressemblance. Tu n'as jamais vu Dieu. Alors si tu ne peux pas aimer ton prochain que tu vois et bien lui parler, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu? Quand tu parles à Dieu, tu es doux. Seigneur Jésus, s'il te plaît Jésus. Mais quand tu parles aux hommes, tu es méchant. Tu as un ton de la voix pour les hommes, un ton de la voix pour Dieu. Dieu, c'est la douceur. Dieu, c'est le respect. Mais tu ne respectes aucun homme quand tu parles. Tu ne parles pas bien aux hommes. Mais quand tu es devant Dieu, tu es respectueux. C'est pourquoi quand tu jeûnes, tu pries. Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est pas seulement la foi qui engendre les miracles, mes frères. Ce n'est pas seulement avoir la foi. Dieu peut tout. Non. Notre manière aussi de parler aux hommes détermine comment Dieu entendra nos voix en haut.
Et aujourd'hui, je veux nous parler des péchés de la langue. Le plus grand péché de la langue que nous connaissons, c'est le mensonge. Alléluia. Les mensonges. Qui a déjà menti? Tu vois, tu vas mentir aussi à l'église. Qui a déjà menti dans sa vie? Oh, il y a des gens qui n'ont jamais menti. Ah là, tu veux mentir. Qui n'a jamais menti? Qui a déjà menti? Vous voyez? Mais si je pose la question ici, qui a déjà pratiqué la sorcellerie? Il y a peu de gens qui ont pratiqué la sorcellerie. Si je pose la question, qui a déjà été dans l'occultisme? Il y a peu de gens qui étaient des occultistes. Qui a déjà volé? Il y a peu de gens. Mais pour ce qui est de mentir, tout le monde se retrouve dedans. Pourquoi? Les péchés de la langue sont très faciles. Très, très faciles. C'est pourquoi les chrétiens pêchent beaucoup avec leur langue, parce que les péchés de la langue sont faciles. Et comme c'est un péché facile, c'est un péché qui est très destructeur, parce que nous le commettons aisément. Depuis que nous sommes enfants, nous sommes des grands menteurs. Nous mentons quand nous avons renversé de l'eau, quand nous avons cassé la tasse, quand nous avons cassé le verre. Et les parents ne nous ont pas tapé parce qu'on a menti que c'était l'autre. Et depuis que tu es enfant, tu es un menteur et tu peux continuer à l'être jusqu'aujourd'hui. Dieu n'exauce pas la prière des menteurs. Mon frère, si tu es dans le mensonge et tu jeûnes, tu pries, Dieu ne t'exauce pas. La manière dont tu parles sur la terre détermine comment Dieu t'exauce au ciel. Mentir, c'est quoi? N'est pas dire la vérité. Pourquoi nous mentons souvent? Parce que dire la vérité amène des problèmes. Aujourd'hui, dans ce monde, si tu dis la vérité, tu auras des problèmes. Et beaucoup de chrétiens ont appelé le mensonge sagesse. C'est la sagesse, c'est la stratégie. Et ils utilisent quoi? Les paroles d'Abraham qui a dit que sa femme n'était pas sa femme. Ils utilisent aussi la ruse de David qui avait fait semblant d'être fou. Mon modèle n'est pas Abraham. Mon modèle n'est pas David. Mon modèle, c'est Jésus. Si Jésus a menti, je mentirai. Mais si Jésus n'a jamais menti, je dirai la vérité. Et Jésus a dit la vérité même quand on pouvait le tuer. Alléluia! C'est Jésus ton modèle en parole. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas David. C'est Jésus ton modèle en parole. Oh non, il y a tel frère très spirituel. Des fois, il ment pour se sortir des problèmes. Ce n'est pas ce frère spirituel-là qui est ton modèle. C'est Jésus ton modèle. Mes frères et sœurs, arrêtons cette vie chrétienne sans bilan. Moi, je n'aime jamais faire des choses pour les faire. Je réfléchis toujours. Je fais ça. Est-ce que ça marche? Quelqu'un qui tous les jours de sa vie sème sur ce ciment, année après année, sans faire le bilan si ça pousse ou pas, n'est pas sage. Toute ta vie, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais fais le bilan de ta vie de prière. Pourquoi tu pries, Dieu ne t'écoute pas? Peut-être tu sèmes sur le ciment. Tu es un menteur. Tu es un menteur, mais qui prie beaucoup. Alors quand tu parles à Dieu, ta bouche sent mauvais. Il n'y a pas le parfum dans ta bouche. Arrêtons de mentir. Arrêtons de corrompre, arrêtons toutes ces choses-là qui, dans la bouche, ne sont pas de Dieu. Le mensonge, c'est dire le contraire de la vérité à 100%. À 100%. La vérité est noire, mais toi, tu dis que c'est blanc. Mais il y a un autre péché de la langue que j'appelle la demi-vérité. La vérité est noire, mais tu ne dis pas qu'elle est blanche, tu dis qu'elle est grise. Le gris, c'est le mélange du noir et du blanc. Les demi-vérités. Voici une demi-vérité. Tu viens d'une boîte de nuit. Et avant que tu ne rentres à la maison, tu es passé dans une pharmacie. Je te pose la question, d'où viens-tu? Tu me dis de la pharmacie. Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as dit tout? C'est ça la demi-vérité. Tu viens d'une boîte de nuit. Après la boîte de nuit, tu passes à la pharmacie parce que tu as tellement bu que tu as eu des maux de tête, tu t'achètes un Novalgine et puis tu rentres à la maison. Mais quand on te pose la question consiste à connaître tout ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute la journée? Mais toi, tu prends une partie
que tu peux dire et tu caches l'autre. Tu dis, j'étais à la pharmacie. Tu as fait une demi-vérité. Et la demi-vérité est un mensonge. Ananias et Saphira avaient apporté une demi-vérité. Ils ont apporté la moitié. Ils n'avaient pas tout pris. Ils ont apporté la moitié. Quand on se sanctifie, bien-aimés frères et sœurs, on quitte les demi-vérités. Quand on est un vrai chrétien, on dit toute la vérité. Tu viens d'où? J'étais dans la boîte et puis j'étais à la pharmacie. Comme ça, la personne peut t'aider pour te dire, il n'est pas bon d'aller dans les boîtes de nuit, ça te détruit. Mais quand tu ne dis qu'une partie, il va maintenant te donner des conseils sur la pharmacie. C'était quelle pharmacie telle? Non, ce n'est pas une bonne pharmacie, il faut aller dans telle pharmacie. Alors que ton vrai problème, ce n'est pas une bonne pharmacie, tu es lié à une vie de boîte de nuit. C'est comme quelqu'un qui ment à un médecin. Tu as mal à la tête, mais tu dis que tu as mal au pied. Je te donne les médicaments pour le pied. Est-ce que vous dites toute la vérité? Vous dites toutes les vérités? Ou vous cachez en partie? Et d'autres, votre vie, ce n'est que le mensonge et des demi-vérités toute ta vie. Et même ceux qui nous suivent à l'étranger. Des gens qui mentent sur leurs documents, leur nom, mariage, mais il faut voir des gens qui ne sont pas mariés, mais qui disent qu'ils sont mariés, ils font des faux mariages, ils font des faux documents, ils ont des faux noms, d'autres changent leur âge, il a 40 ans, il dit qu'il a 27 ans, et toute sa vie, il ne fait que dire qu'il a 27 ans. Beaucoup même de sportifs mentent sur leur âge. Pourquoi? Pour continuer à jouer à un ballon, tu deviens un menteur et tu vas en enfer parce que tu voulais jouer à un ballon. Des demi-vérités pour voyager. Mes frères et sœurs, quand on est chrétien, on dit la vérité. Notre maître s'appelle la vérité. Il n'y a pas de vie chrétienne sans vérité. Et c'est devenu rare de trouver des chrétiens qui disent la vérité. Même à l'église. Akio wangana otalo. Des chrétiens mentant et te regardant. Il ne va même pas froncer les sourcils. Il sait qu'il est en train de mentir et il te regarde. Et c'est la faute de Dieu que ta vie de prière soit improductive. Est-ce que c'est la faute de Dieu que tes jeûnes ne soient pas entendus? Comme je l'ai dit mercredi, Dieu n'exauce pas un ventre vide. Dieu n'exauce pas la fatigue. Dieu t'exauce quand tu vis selon sa parole et ses principes. Un autre péché de la langue, la médisance. Qu'est-ce que la médisance? La médisance, c'est dire une vraie chose sur quelqu'un, mais une mauvaise chose qu'il a faite, afin de le détruire. C'est ça la médisance. Quelqu'un s'enivre, et toi, tu vas le dire partout. C'est la médisance. Ce n'est pas que tu as inventé. Le médisant n'invente pas. Il dit la vérité. Et souvent, le médisant continue à médire parce qu'il dit, j'ai pas menti, est-ce que j'ai menti, est-ce que j'ai menti, mais tu t'étais enivré, est-ce que j'ai menti? Ce n'est pas parce que tu n'as pas menti que tu dis bien. Tu pouvais cacher cela. Alléluia. Le médisant, c'est celui qui répand une mauvaise nouvelle, mais qui est vraie. Tu vois le mal, au lieu de cacher ton frère et de l'aider en secret, tu vas sur les places publiques et tu commences à répandre. Tu sais, c'est un péché, c'est un péché. Pourquoi? La Bible dit, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que toi, si on te retrouve dans un péché, tu aimerais qu'on le dise dans le monde entier? Non. Pourquoi tu le fais à ton frère? Quand c'est l'autre qui pêche, voilà maintenant, hein, je vais le dire. Mais quand c'est ton tour, il faut qu'on te cache. Tu as un mauvais cœur. Et ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas quand tu pries. Parce que c'est un signe de manque d'amour et Dieu n'exauce pas la méchanceté. Dieu n'exauce pas un cœur méchant. Les païens peuvent le faire. Mais nous, les chrétiens, nous croyons qu'un homme peut changer. Un homme peut s'enivrer aujourd'hui. Et puis demain, il se répand, il change. Mais toi, quand tu répands cela, tu as détruit sa réputation. Et sachez que dans ce monde, la réputation est chère et c'est difficile de réparer l'image d'un homme lorsque tu l'as déjà détruit.
Mais disant, tu fais le travail de Satan. Tu fais le travail de Satan. Vous qui aimez bien connaître des mauvaises choses sur les autres, afin de prendre des téléphones et de les répandre, faites attention. Et même cette habitude aujourd'hui que les chrétiens ont dans les églises de trouver des nouvelles sur Internet et de les partager. Ne partagez pas de telles choses. Partagez des prédications, des choses qui édifient. Ne partagez pas des scandales. Tu tombes sur un scandale, ne m'envoie pas. Ne m'envoie pas. Ne m'envoie pas ni sur WhatsApp, ni sur quoi que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Ça va m'édifier en quoi? Des gens qui ne partagent jamais des bonnes choses. Mais si seulement il entend qu'un frère de l'église a fait cela, là il va partager à tout le monde. Tu as un esprit du diable. C'est un manque d'amour. Et si on te faisait cela? Si on te faisait cela? Aucun de nous ici ne peut dire qu'il est parfait. Chacun de nous des fois branche dans un domaine quelconque. C'est pourquoi tu demandes pardon à Dieu avant de dormir. Alors si Dieu lui faisait la médisance, tu pêches toute la journée et puis tu confesses ton péché et le prophète ne le voit pas. Dieu n'est pas médisant. Sinon Dieu allait commencer à révéler même les confessions au prophète. Mais le prophète ne peut pas voir un péché confessé parce que Dieu l'a effacé. Alléluia! Arrêtez de médire. Souvent dans la médisance, il y a la jalousie. La jalousie. Vous allez remarquer qu'on aime médire sur les hommes élevés. On aime médire sur les hommes grands. Quand tu vois quelqu'un qui aime médire que sur les hommes grands, c'est la jalousie. Il faut aussi médire sur le pousse-pousseur. Il faut aussi médire sur les gens qui ne sont pas connus. Mais quand la médisance n'est que sur les hommes grands, en soi, c'est la jalousie. Tu aimerais qu'ils te ressemblent, qu'ils descendent, qu'ils sont comme toi. C'est souvent la jalousie. C'est pourquoi vous voyez dans le monde, quand on fait des journaux, on parle plus des scandales des grands. Jamais des petits. Pourquoi? Ça ne va pas pousser les gens à acheter le journal. Médisance. Et quand vous faites maintenant des groupes de médisance, c'est la malédiction. Les chrétiens doivent faire des groupes de prière où vous vous rencontrez à trois, vous priez, vous jeûnez. Pas vous vous retrouvez, vous parlez du mal des gens, vous parlez des choses, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Ça vous rapporte quoi? La médisance te vide spirituellement. Ça diminue la plénitude du Saint-Esprit. Je te dis, teste cela. Tu es rempli du Saint-Esprit après des moments de prière et puis tu médis. Tu vas sentir que la dose a diminué. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi la dose diminue? Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et tu dis la parole et tu dis la vérité, la plénitude augmente. Comme là, pendant que je prêche, je suis en train de parler, mais la plénitude ne diminue pas parce que je suis en train de dire la parole et la vérité. Mais si pendant que je prêche seulement, je commence à dire n'importe quoi, directement l'onction va diminuer. C'est toujours ça, c'est ça le principe. Et dans ta vie, quand tu es à la maison et tu ne fais que parler du mal des gens, toutes ces onctions que tu reçois dans la prière sont perdues pour rien. Tu n'as ni prêché avec, ni prié avec, ni imposé les mains à quelqu'un. C'est parti comme ça, en train de pchip, 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 pchip. Tu passes 3 heures du temps à genoux, affamé, pour que Dieu te oigne, et puis tu prends cette onction, tu la répands par terre. Tu n'es pas intelligent. Gardez vos langues. Lorsque tu vois le mal, garde ça pour toi. Fais-en un sujet de prière, un sujet d'intercession. Tu vas remarquer dans ta vie, ce sera difficile de médire sur la vie de quelqu'un qui est dans ta liste de prières. Si je prie pour un frère, afin que Dieu le délivre de l'homosexualité, jamais je vais médire parce que c'est un malade, c'est mon malade. Je suis en train de prier pour que Dieu le délivre. Tu sais pourquoi tu médis sur les gens? Parce que tu ne pries pour personne. Tu es un chrétien sans amour. Tu ne pries pour personne. Tu n'as le souci de personne. Alors tu peux détruire la vie de tout le monde parce que tu n'as le souci de personne. Avez-vous déjà vu un médecin médire sur son malade? Les médecins, ils savent que même telle autorité a le sida, telle autre a ceci. Vous avez déjà entendu un médecin le dire? Jamais. Pourquoi? Il espère la guérison. Mais nous, nous sommes plus que des médecins. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et tout ce temps que nous passons à dire le mal des autres empêche à Dieu de nous exaucer, mes frères. Quand vas-tu arrêter de parler mal? Quand vas-tu accepter que le Saint-Esprit discipline ta bouche?
Car c'est avec la même bouche que nous prions. C'est avec la même bouche que nous bénissons. C'est aussi avec la même bouche que nous médisons. Et la Bible dit, comment d'une seule source peut sortir de l'eau amère et de l'eau potable? Comment, frère, ta même bouche qui parle en langue, c'est elle qui médit. Tu es en train de salir ta bouche. Alors que ta bouche est un instrument de puissance, un instrument de guérison. Ta bouche devait atteindre le niveau quand tu parles. Aucune de tes paroles ne tombe à terre comme Samuel. Quand tu déclares, ça arrive toujours. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, ça lui arrive toujours. Quand tu donnes à quelqu'un un conseil, il sent le feu, mais tu parles, il n'y a rien. Tu dis des choses, il n'y a rien. Pourquoi? Une mauvaise utilisation de la bouche. Regardez quelqu'un qui pile tout le temps le piment dans un mortier. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où même vous prenez le banane, les bananes, et vous mettez dans ce mortier et vous pilez, qu'est-ce qu'il y aura? Les bananes auront le goût et l'odeur du piment. Et quand tu ne fais que médire, même quand tu prêcheras, tu prieras, ça aura toujours le goût et l'odeur du piment, des médisances. Et ça fera manquer à ta bouche, qui est l'un des instruments puissants de ta vie, la puissance. Parce que les chrétiens, c'est la bouche. Avec la bouche, nous prions, avec la bouche, nous prêchons. Avec la bouche, nous nous adressons aux hommes, avec la bouche, nous nous adressons à Dieu. C'est un instrument dont il faut prendre soin. Où tu regardes, du matin au soir, tu n'as parlé du mal de personne. Tu dors tranquillement et tu vas sentir, tu es rempli de l'esprit. Quand tu vas te tenir devant Dieu la nuit, tu sens la plénitude de l'esprit. Sinon, ce sera quoi? Tu te tiendras toujours devant Dieu comme un ballon dégonflé. Dégonflé par quoi? Une mauvaise utilisation de la bouche pendant toute la journée. Et si tu as quelqu'un dans ta vie qui a cet esprit de médisance, parce que certains médisants, ce sont des fournisseurs, d'autres des consommateurs. Il y a des gens, si personne ne lui amène la médisance, il ne médit jamais. Il faut que le fournisseur vienne lui fournir. Alors tu dois te désabonner. Alléluia. Oui, tu as un ami là, lui il connaît tout ce qui se passe à Kinshasa. Tout ce qui se passe à l'église, il connaît tout sur tout. C'est lui qui te fournit. Et quand il te fournit, tu commences maintenant à médire. Il faut te désabonner. Il faut lui dire, frère, ne viens jamais plus me dire des bêtises. Amen. Hein? Si tu viens me parler, parle-moi de bonnes choses. Et toi qui connais tout sur l'église, tu es un maudit. Toi qui connais tout, afin de répandre des choses sur les autres, tu es un maudit. Il faut même quitter l'église, laisser les gens tranquilles. Tu décourages les gens, mais tu ne pars jamais. Il faut partir, il faut quitter. Il faut aller dans une autre église ou rester à la maison. Souvent les gens qui ont un esprit de médisance à l'église, ils ne quittent jamais l'église. Ils sont là, afin de médire, répandre. Tu sais lui, il a fait. Tu vois le prédicateur là, il fait là. Tu vois le modérateur là, il fait là, il fait là, il fait là. Mais il ne part jamais, mais il décourage les autres. Es-tu différent d'un sorcier? Es-tu différent d'un démon? Quand il y a une bonne nouvelle, jamais tu n'es pressé à la répandre. Mais la mauvaise, tu seras pressé de la répandre. Tu vas charger même les mégabytes, rien que pour appeler. Quand tu es au courant d'un scandale, tu as la démangeaison. Tu as la démangeaison. Tu baves même comme quelqu'un qui est devant une bonne nourriture. Tu dois le dire. Et quand tu le dis, tu sens la joie de le dire. Tu as un mauvais cœur. Tu es un homme mauvais. Tu es une femme mauvaise. C'est pourquoi quand tu pries, il n'y a rien du tout. Même un rhume quand tu pries. Est-ce que les gens guérissent même du rhume quand tu pries? Le rhume, les maux de tête. Toi, tu as déjà prié même quelqu'un, les maux de tête ont été guéris. Tu as déjà vraiment prié, tu pries, ça arrive. Pas des hasards. Tu pries, ça arrive. Tu sais que moi, quand je parle à Dieu, ça arrive. Tu as déjà vécu ça. Tu n'as jamais vécu ça. Mais pia, frère, cadenasse la bouche. Amen, hein? Cette année, je suis décidé de vous parler. Amen, hein? Quatrième, le colportage. Le colportage, c'est comme la médisance. C'est quelqu'un qui va d'un endroit à un autre pour dire le mal. Il parle de maison en maison, de personne en personne, pour rapporter, colporter, prendre et amener. C'est presque comme la médisance, le colportage. Un autre péché
les insultes, insultent. Bien-aimés frères et sœurs, un chrétien n'insulte jamais. Jamais. La Bible dit que si tu dis à ton frère insensé, tu es digne de la gêne. Jésus a dit, si tu dis à ton frère qu'il est insensé, zoba, tu es digne d'aller en enfer, la Bible dit. Talamoutou. La Bible dit, tu dis ça, tu es digne d'aller en enfer. Mais souvent, nous le prenons à la légère. Insulte mon enfant devant moi. N'est-ce pas que tu auras des problèmes? Insulte seulement mon fils devant moi. N'est-ce pas que tu auras des problèmes? Des sérieux problèmes. Maintenant, lui, il est le fils du Dieu vivant, tu l'insultes. Tu auras des problèmes, mes frères. Insulte le fils du prince. Insulte-le. Tu vas te retrouver où? En prison, n'est-ce pas? Mais tu insultes qui? Le fils de Dieu. Celui qui est assis à côté de toi, ce n'est pas une personne ordinaire. C'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Quand quelqu'un dit enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu. Le prophète Élisée, on s'est seulement moqué de sa calvitie. Des ours ont tué des gens. On sait, et c'était vrai, il avait aussi la calvitie. Mais Dieu a tué ses enfants. Combien d'ours te tuent? Combien? Tu as été tué par beaucoup d'ours, tu es là. Tes études ne vont plus bien. Tu sais pourquoi? Un ours a tué tes études, a mangé tes études. Depuis que tu as insulté un chrétien, tu as insulté un pasteur. Un ours a mangé ta matrice. C'est pourquoi tu n'as pas d'enfant. Depuis que tu as insulté un serviteur de Dieu, un chrétien. Un ours a mangé tes affaires depuis que tu as insulté un chrétien. Des fois, vous allez trop loin cherchant des sorciers dans vos familles, alors que la sorcellerie est dans vos bouches. Vous insultez les gens. Tu vois quelqu'un là, tu l'insultes. Regarde cet homme-là. Et vous insultez et des gens que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Mais vraiment, tu ne t'aimes pas. Hein? Et des gens que tu connais et des gens que tu ne connais pas. Vous insultez et des païens, et des chrétiens, des ouins des dieux, des sorciers, des magiciens. Vous insultez tout le monde. Vous insultez vos parents, vous insultez vos femmes. Un homme qui insulte sa femme, mais s'insulte lui-même. Quand tu insultes ta femme, c'est comme si je m'insulte. Tu insultes ta femme, d'autres insultent leurs enfants. Des parents, pendant le jeûne, ils insultent les enfants. Il y a des parents qui ont un don à insulter les enfants. Vous ne pouvez savoir à quel point l'insulte d'un parent peut détruire la vie d'un enfant. Tout le monde peut dire à un enfant, tu n'es pas beau. Ce n'est pas trop grave. Mais la mère, ta propre mère, te regarde droit dans les yeux et te dit, tu es vilaine. Même si un garçon te dit que tu es beau, tu ne vas pas croire. Parce que ma propre maman m'a dit que je suis vilaine. Et souvent, ceux qui ont été insultés dans leur enfance deviennent des champions des insultes. Vous qu'on a insulté dans votre enfance, avez-vous dominé cela pour devenir des personnes qui parlent bien ou vous vous vengez sur tout le monde? Et j'en parlerai pendant le séminaire Alpha 40 sur la guérison des blessures intérieures. Comment les blessures proviennent des insultes? Quand tu insultes quelqu'un, tu le blesses. Et alors tu te tiens devant Dieu en train de prier, mais lui pleure, Dieu ne t'entend pas. Va lui présenter des excuses, va demander pardon. Et aujourd'hui au Congo, je suis étonné. Insulter, c'est devenu des blagues. Les gens, quand ils sont très familiers, ils s'insultent. Quand vous êtes très amis, c'est quand ça donne la permission de s'insulter. C'est pourquoi des fois j'évite trop de proximité avec les gens, parce que les Congolais, si tu deviens trop proche de lui, c'est comme si ça lui donne maintenant la permission de te manquer. Il respecte que les choses qui sont loin. Quand tu es loin de lui, il te respecte. Quand tu t'approches là, il en profite pour te manquer. C'est facile entre les Congolais de s'appeler « Yozan Tchor, hein ?»« Yozan Tchor, hein ?»« Yozan Zob, hein ?» Aussi dit qu'il « Ah, mais Yozan Mastananga !» Non, quand je suis ton ami, c'est quand tu me respectes. Ces amitiés-là qui tournent autour des blagues d'insultes ne sont pas de Dieu. Est-ce que Jonathan insultait David? Est-ce que David insultait Jonathan? David appelait Jonathan héros. Héros. Je deviens ton ami, c'est quand tu commences à me manquer du respect. Quand je n'étais pas ton ami, tu me respectais. Je ne veux plus être ton ami pour que tu me respectes. Je veux redevenir hein,
normal. Comme ça, tu respecteras. C'est comme ça que vous perdez beaucoup de relations. Quelqu'un est loin de toi, tu le respectes, il s'approche, tu lui manques du respect, il s'éloigne, tu perds des bénédictions, tu perds des contacts. Continuez à respecter les gens, même quand ils s'approchent de vous. Continuez à honorer les gens, même quand ils s'approchent de vous. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est l'intelligence. Alléluia. N'insulte jamais personne. Personne. Même les gens qui ont des défauts corporels. Amen. Hein? N'insulte pas. Dieu sait pourquoi il a créé comme ça. N'insulte jamais quelqu'un qui a un défaut corporel. N'insulte jamais quelqu'un qui a un défaut physique. N'insulte jamais. Parce qu'en l'insultant, tu as insulté celui qui l'a créé. Toi, tu as déjà créé un homme. Un seul homme. Tu as déjà créé un homme. Yosoko Keli Mutozane. À ta vélo salaté. Mais tu oses insulter un homme. Connaissez-vous l'homme le plus parmi les hommes les plus intelligents du monde? Parmi les hommes les plus intelligents, parmi les personnes, je crois peut-être c'est la troisième personne la plus intelligente du monde. Vous savez, elle est où? Elle est dans une chaise roulante. Qui le connaisse? L'un des hommes les plus intelligents de ce monde, qui a le plus grand cerveau du monde, ne parle pas. Il est paralysé, il parle par un ordinateur. Mais au pouce en terre, côté Moutou. Et les gens s'amusent à insulter, à insulter, à insulter. Alors que quand tu insultes, tu es en train de faire une contre-adoration. Parce que louer l'œuvre de Dieu est une adoration, mais insulter, c'est insulter Dieu. Combien de fois tu as insulté Dieu en insultant sa créature? Et d'autres se spécialisent en insultes. Ils se glorifient même d'être des grands insulteurs, si ça se dit. Naso na fingi mutu ha oromi boma. Au moins on est fier, hein? Au moins on est bien. Et tika na yo eh naso ki na beto moko ha tuna bango eh keba keba yo commence à sentir noir à fing. Tu es un maudit, mon frère. Au lieu que tu sois honoré par tes conseils. Qu'on dise que toi, quand tu conseilles, c'est extraordinaire. Quand tu parles, il y a la grâce. Quand tu parles, il y a les versets. Non, toi, quand tu insultes, quelqu'un peut se tuer. Et tu es fier de ça. Même à l'église ici, on te connaît. On t'évite, on t'évite, on t'évite, on t'évite. Frère, on t'évite. Tu sais que quand les hommes t'évitent, les bénédictions aussi t'évitent. Vous que les gens évitent parce que vous ne parlez pas bien. Ce ne sont pas que les gens qui vous évitent. Même vos propres bénédictions vous évitent. Ton travail t'évite, ton mariage t'évite. Toutes tes bénédictions, tes connexions t'évitent. Toi, tu es fier là. Oh, les gens ont peur de moi. Non, la bénédiction a peur de moi. Il faut dire ça. C'est la bénédiction qui a peur de toi. Regarde, est-ce que tu es bien dans la vie? Tu es grand, tu es grand, tu es élevé. Toi qu'on évite, tu te glorifies comme un porc épique que personne ne s'approche. Un porc épique. Il est fier. Les gens ne s'approchent pas parce qu'ils savent moi quand je parle. Mais il te laisse dans ta pauvreté, il te laisse dans ta médiocrité, il ne te donne aucun conseil, il ne t'aide même pas. Chez vous à la maison, on te laisse dans ton coin parce qu'on sait que tu parles bizarrement, même ton père, ta mère, tout le monde le sait, et tu es dans ton coin alors qu'ils peuvent t'aider, te donner un conseil, t'aider. C'est pourquoi tu es en train de souffrir dans ta vie. Tu te retrouves comme ce paralytique qui était à côté de la piscine que personne ne pouvait jeter dans l'eau. Je vous assure, ce paralytique-là, c'est une malobama B. Comment tu peux rester toutes ces années à côté de l'eau? Personne ne t'aide. Personne pour te jeter. Ah! Vous connaissez ces malades-là qui parlent mal? Il y a des gens, quand il est malade, à Kumisko Mangala. Tu lui donnes l'eau froide. Tu, Yamoto, Bazalarasomobatomsuzabeli. Et la preuve qu'il parlait mal, quand Jésus vient lui parler, au lieu qu'il demande la guérison, il n'y a personne. Il n'était pas relationnel. Frères, sœurs, soyez relationnels. Amen. Hein? Même un enfant te sauvera la vie. Même un enfant viendra te sauver, te dire, hé, hey, fais attention. Je connais un grand homme, il fallait qu'on puisse le tuer. Qui l'ont sauvé de Chegue? Viens, te l'ai là au fort. Kendeboué, Tobombao. Il a été sauvé. Mais yo, Zoba, Mouyibi, Chege. Hein? Fais attention, n'insulte pas les Chege. N'insulte pas. Amen. Hein?
Si tu n'as pas quoi leur donner, ne donne pas. Mais n'ajoute pas, tu n'as pas et puis tu insultes. Ils peuvent te sauver la vie. Les moqueries. Vous tous qui habitez des maisons, qui habitez une maison en étage, arrêtez ces choses de vous placer sur les fenêtres pour regarder le quartier. Je répète, arrêtez ces choses de vous placer sur la fenêtre afin de regarder le quartier. Le 90% de ceux qui font cela deviennent des moqueurs. Pourquoi? Parce que quand tu es en haut, tu regardes tout. Tu regardes comment il a. Tu le critiques. Des moqueurs. L'un des principes pour vivre longtemps, la Bible dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assieds pas sur leur banc. Quiconque ici est un moqueur, ne sois pas son ami. Je te le dis, je suis ton pasteur, je te donne la permission. Brise cette amitié. Des gens qui aiment que se moquer des gens, se moquer des maisons des gens, des habits des gens, des chaussures des gens, de tout des gens, des coiffures des gens, de tout des... Vraiment, toi, tu te moques de tout. Et bon, yo, ça a danger. Yo peux pas soso là yo. Ba simba yo ba ba panza yo. Si ba ko kuto makambuti. Et c'est que bizarre, des fois tu vois des gens se moquer des gens qui les dépassent. La personne là te dépasse en tout, mais elle est humble, elle parle pas. Toi tu parles trop, mais elle est qui yo. Des fois c'est la jalousie. La jalousie des fois nous pousse à nous moquer des gens qui on sait qu'on n'a pas. Arrêtez de vous moquer des gens. Voici un secret pour ne se moquer de personne. Étant donné que tout homme est créé par Dieu, tout homme a une qualité. Car c'est seulement les démons et le diable qui n'ont pas de qualité. Dans tout homme, il y a une qualité. Alors concentrez-vous sur les qualités des gens et vous trouverez quoi dire de bon sur eux pour ne pas passer votre temps à vous moquer des gens. Alléluia. Quelqu'un peut avoir une vilaine veste, un mauvais pantalon, mais il a des belles chaussures. Concentre-toi même sur ces chaussures. Tes chaussures sont belles. Alléluia. Ainsi, tu as au moins quelque chose de bien. Arrêtez de vous concentrer sur les défauts des autres. Concentrez-vous sur leurs qualités. Ainsi, vous n'aurez pas de quoi vous moquer. Les moqueries nous poussent toujours à dénigrer les gens, à diminuer les gens. L'homme qui abaisse les autres s'abaisse lui-même. Mais l'homme qui élève les autres est élevé par Dieu. Mon frère, tu veux que Dieu t'élève? Élève les gens par tes paroles. Arrête de dénigrer les gens. Quelqu'un dit, j'ai eu mon diplôme avec 50%. Hein? Yo vraiment, yo zwa kite, ba yo kela ki omawa. Mais dis-le, ah, vraiment, Dieu t'a fait grâce. Hein? Mais courage mon frère, Dieu va t'aider encore. Alléluia. Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Je glorifie Dieu. J'ai eu le visa pour aller à Braza. Wapi, kakawa. Mais au moins, bimikin. Na kansé oké poto mikili. Et d'autres même, tu vas en Europe, tu descends à tel endroit. Waneza poto lisusute. Angleterre ne poto. Pourquoi vous êtes comme ça? Oui, la première fois que je vais en Europe, j'arrive à Bruxelles et je dis aux gens, je suis à Bruxelles. Il y a des gens qui m'appellent de la Hollande. Ah, yamweza soupoto te. Ndeko, mutazatane sengwa komi. Olongole sengwa. Dénigrement. Il fait quelque chose, tu cherches toujours pour diminuer. Ta vie ne montera pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Sèmez des bonnes paroles et Dieu vous élèvera. Sèmez l'amour et vous deviendrez grand. Mes frères. Tu vas remarquer les grands hommes, ils trouvent tout beau. Ils apprécient même des choses que tu dis, il n'y a rien. C'est un principe de la grandeur. Apprendre à élever les autres au lieu de les dénigrer, de les diminuer. Ce n'est pas normal, tu es un chrétien. Quelqu'un après t'avoir rencontré, au lieu qu'il se trouve plus grand qu'avant, il se trouve petit. Non! Ça, ce n'est pas l'évangile. Jésus-Christ a rencontré Pierre. Pierre était un homme qui n'était pas sûr de lui, mais il en a fait une colonne dans l'église. Les dénigrements, les plaisanteries de mauvais goût. Mon frère, si tu ne sais pas, entre guillemets, blaguer, ne blague pas. Amen. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas blaguer. Ils font des blagues qui blessent les gens.
Vous le connaissez? Il n'a pas le don de blaguer, mais il aime blaguer. Déjà, blaguer, c'est dangereux. Alors, si tu veux des fois vouloir faire rire les gens, aie le don. Si tu n'as pas le don, tu n'as pas qui sait rien na yo, ça n'angoté. Des plaisanteries de mauvais goût. Tu avais l'intention de faire rire l'autre et il s'énerve. Si tu sens ça dans ta vie, tu avais l'intention de faire rire, mais ça se transforme toujours en colère. Laisse, tu n'as pas le don. Laisse, hein? Hein? Laisse. Des plaisanteries de mauvais goût. Je vois des fois entre les femmes, il y a certaines femmes qui n'ont pas la grâce d'avoir des longs cheveux. Alors tu vois entre elles blagues. Yo, 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 suki manyuka. Suki manyuka. Ayo seka. Nos oxymoninga. Quelqu'un porte une chaussure. C'est votre papa qui t'a donné ça. Alobi mingi. Quelqu'un porte un habit, tu lui poses la question. C'est un uniforme église, Nabino? Moi, je connais ça. Parce que quand j'étais païen, j'étais champion. J'avais un don. Dieu a transformé ce don. Je suis devenu un prédicateur. Comment tu peux être si talentueux à faire des plaisanteries de mauvais goût? Tu as comme quelqu'un ici à côté de toi qui te dit Lobaboué, Lobaboué, Lobaboué. Hein, tu as comme une voix là qui te parle. Toi, le Saint-Esprit ne te donne jamais des prophéties, des paroles de connaissance. Mais pour blesser les gens par des blagues, tu es toujours inspiré. Tu dois être délivré. Et il y a même des gens, quand seulement tu commences à blaguer, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, n'est-ce pas? Ils savent que cette blague-là finira mal. Mais toi, tu es en train de rire. Les gens sont en train de se fâcher. Mais toi, tu ris. Mais si ce qui te fait rire m'énerve, arrête! Arrête de plaisanter. La calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est le fait d'inventer une chose, de dire une chose fausse sur quelqu'un. C'est ça, calomnier quelqu'un. Et le diable, c'est le plus grand calomniateur. Et quand tu calomnies les gens, tu deviens disciple de Satan. Quand tu inventes sur quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait, tu es un diable. Diable veut dire calomniateur. Les gens calomnient pour deux choses. Soit seulement ils veulent détruire quelqu'un. Tu n'as pas fait, il dit tu as fait. Comme ça, il détruit ta réputation. Mais il y a d'autres qui calomnient, comment? Il entend une information qu'il n'a pas vérifiée et il la confirme. Les choses que vous confirmez sur les gens, vous les avez vérifiées? Est-ce que vous les avez vérifiées? Aujourd'hui, j'étais sur Internet, il y a un site là, c'est un site vraiment très intelligent. Ils ont démontré sur 10 grandes personnalités connues dans le monde, certaines choses qu'on dit sur elles qui sont fausses. Il fut un temps dans ce pays, on avait calomnié la sœur Laure Mbongo. Que non, la sœur Laure Mbongo avait rencontré telle star de la musique mondaine et elle avait snobé et tout le reste et il s'était chamaillé au plateau, sur le plateau de la télévision. Bien aimé. Le jour que je vois la vidéo, lorsque ces deux personnes se sont rencontrées, ça s'est passé dans le respect. L'un a encouragé l'autre. Non, le travail que tu as choisi de chanter, c'est un travail vraiment délicat, tout, tout, tout. C'était fini comme ça. Mais il y a des gens qui disent que tel et tel, c'était chamaillé au plateau. L'autre est devenue orgueilleuse et vous tous, vous racontez ça. Des histoires à Kinshasa s'y sont sorties sur une maman pasteur qui n'a pas d'enfant parce qu'une fois, elle était sur son balcon, elle a vu un enfant en train de se noyer dans le caniveau et elle a laissé mourir, c'est pourquoi elle n'a pas d'enfant. Mais elle a maintenant un enfant. Vous avez changé l'histoire? Vous voyez la méchanceté du cœur? Maintenant, elle a un enfant? Elle a un enfant. Et tu allais répandre ça, répandre ça, répandre ça partout. Qu'est-ce que vous répandez sur les gens? Qu'est-ce que toi tu confirmes sur les gens? Tu as vérifié? Non, tel m'a dit. Et si tu poses la question, tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit. Et puis, vous confirmez des choses. Vous allez sur Internet, vous lisez des choses sur quelqu'un et puis vous le confirmez. Vous entendez quelque chose et vous le répandez. Quand il s'agit de vous, vous voulez qu'on vérifie.
Mais quand il s'agit des autres, vous répondez. Qui aimerait qu'on puisse confirmer les choses sur lui sans vérifier? Qui? Personne. Même les tribunaux de ce monde. Quand on attrape même quelqu'un, on a la présomption d'innocence. Les païens, dans leur droit, on dit qu'il y a la présomption d'innocence. Mais à l'église, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ndenge balobi ezaka kabongo mayeninga kapamba pamba te namu pepe ningisa kangoti. Il n'y a pas de fumée sans feu. Un jour, on te fera ce que tu fais aux gens. Un jour, on confirmera quelque chose que tu n'as pas fait. Bien-aimés frères et sœurs, quand j'étais au début de ma foi, j'étais comme ça. Oh, tel pasteur est magicien. Oh, magicien. Tel magicien, je croyais facilement. Un jour, Dieu m'a dit, tu sais, quand je t'élèverai, on dira que tu es aussi magicien. J'ai dit, oh, moi, jamais. Je n'ai pas touché à la sorcellerie. Dieu me dit, tu verras. Et quand Dieu me parle comme ça, je sais toujours qu'il y a des leçons. Aujourd'hui, il y a des endroits où Marcelo, ce n'est pas un vrai pasteur, magicien. Inconscient. Quelqu'un affirme, il affirme vraiment. Marcelo Bazami Balé. Et vous tous ici, pour eux, vous êtes des envoûtés. Que je vous envoûte. Hey, mais si quelqu'un dans une loge, il faut aller chercher son nom. Quelqu'un qui peut être franc-maçon mené dans aucune loge. Loge à moi, Zandarune. Mais il y a des gens qui affirment. Alors quand cela m'est arrivé, des gens qui ne te connaissent pas, ils affirment que tu es magicien. Je dis, oh, donc moi aussi, quand je croyais facilement, il se pourrait aussi que j'avais affirmé des choses qui n'étaient pas vraies. Faites attention, mes frères et sœurs. Tu affirmes des choses sur quelqu'un qui sont fausses. La personne va pleurer devant Dieu. Elle dit, Seigneur, combat tous mes ennemis, frappe-le. Tu es parmi eux. Oui. Quelqu'un jeune, il dit, Seigneur, mes ennemis, justifie-moi, justifie ma réputation. Père, Dieu dit, ok, je vais le faire. Et toi, tu es parmi ces gens qui sont en train de détruire sa réputation. Quand vous avez une information sur quelqu'un, ayez l'amour. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est vrai? Tel est homosexuel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr? Je suis allé une fois à Lubumbashi. Dans ce voyage, la première fois quand j'arrive, j'étais seul. Tout le monde à l'hôtel voyait le pasteur Marcelo tout seul. 3 jours après, Maman Blanche est venue. Et quand elle est venue, elle est arrivée à l'hôtel, elle s'était habillée, elle était en jupe, blouse. Vraiment, elle était très, très, très cool, classe. Elle n'avait pas porté de pagne ni de foulard. Et moi, je suis allé la prendre et pour l'amener dans la chambre. J'ai remarqué les gens au comptoir là. J'ai lu dans leur cœur. Dieu m'a dit, les gens là sont en train de pécher. Ils vont répandre la nouvelle dans tout Lubumbashi. Tu dois descendre pour arranger. Pourquoi? Parce que ta femme n'est pas connue. Les gens ne la connaissent pas. Je fais monter Maman Blanche à l'hôtel, dans la chambre. Je descends. Et puis j'arrive, alors il fallait que j'introduise, je commence, est-ce que je peux avoir le code Wi-Fi? Et il me donne le code Wi-Fi, et puis je dis, c'est madame, hein? Elle vient d'arriver, c'est ma femme et tout. Bah, Kenaki! Wana zole zelande na robenga, akweyawa, namasi apembe! Akweyi namasi na ye moko, il a commis l'adultère avec sa propre femme. Imaginez maintenant que je ne sois pas descendu pour expliquer, parce que je n'étais pas non plus obligé, et que eux répandent. Le pasteur Marcel est venu à l'hôtel avec une femme, ceci, cela, alors que c'est un propre. Quelle malédiction. Tu l'as fait sur quelqu'un. Cette information que tu véhicules partout sur les gens, même sur les hommes de Dieu, tu es sûr? Tu as vérifié? Tu sais dans quel esprit la personne-là a donné l'information? Voici un secret. Quand tu vois quelqu'un répandre une nouvelle sur quelqu'un, pose d'abord cette question. Est-ce que cette personne l'aime? La première question. Pourquoi il le dit? Il le dit par amour? Il aime? Il est jaloux?
il est aigri, il aimerait sa place. Pourquoi tu dis ce que tu dis? Je viens là, je viens te dire, tu vois le frère Sion, il a fait ça. Tu dois te poser, pourquoi le pasteur peut venir me parler de Sion? Tu dois être intelligent. Pourquoi? Parce que derrière chaque action, il y a une motivation. Alléluia. La vulgarité. Dites la vulgarité. Bah, j'ai rien contre les mongos. Mais souvent, il y a un problème avec les mongos. Les mongos ont une vulgarité naturelle. Une vulgarité tribale. La vulgarité, c'est dire des insanités, mais sans se sentir sale. Dire des choses qui peuvent pousser les gens à fuir, mais toi, tu es très à l'aise. Une fois, je vais dans un deuil d'un frère, sa femme était morte. Et pendant qu'on sortait, une maman de 60 ans, en train de pleurer, mais elle pleurait des insanités. Donc, j'avais envie de mettre des watts dans mes oreilles pour ne pas l'entendre. Mais elle est très à l'aise. Mais aole la biloko moko. Oumituna maman. Donc sentir qu'à kola bongo. N'a pas insanité. Comment tu dis les insanités si facilement? Les vulgarités. Tu les dis et ça ne te dérange pas. Et même, tu aimes bien le faire avec les femmes, les gens contraires. Tu aimes bien dire ça aux femmes ou aux hommes, des garçons, quand ils parlent à une fille, des insanités. Tu sais pourquoi tu le dis? Parce qu'au fond de toi, tu es sale, tu es impur. Tu es impur. Et il est chrétien, mais il est plein de vulgarité. D'autres, c'est la méchanceté. Des paroles blessantes, sans assaisonnement. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Amen. Hein? Il faut chaque fois que tu parles, mais tu pèses. Quand je parle à un adulte, je pèse. C'est un papa. Quand je parle à un jeune garçon, je pèse. Quand je parle à quelqu'un, je sens lui, il est trop fragile, je pèse. Quand je parle, je dis, c'est un nouveau converti, je pèse. Parlez en évitant de faire mal. Il y a certains des fois qui me copient mal. Quand je prêche là, je prêche, je parle de la part de Dieu. Mais dans mes relations comme ça, je ne suis pas comme ça. Et il y a des gens maintenant, ils font ça là. Non! C'est pourquoi il y a des gens qui disent, le pasteur, il y a deux pasteurs. Il y a l'un là-bas et l'autre ici. C'est vrai. Je ne peux pas te parler en bas comme je parle ici. Ici, je m'adresse à la foule. Mais quand je m'adresse à toi, je dis, mon frère, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Est-ce que tu trouves que ça se fait? Mais ici, frère! Alléluia! Parce qu'aussi, il faut avoir un style quand tu prêches pour captiver les gens. Mais quand je te parle, je dois utiliser la douceur, la sagesse, la stratégie. Ici, je parle à rangé, mais quand je suis là, je te parle autrement. Mais il y a des gens, démon sort, toi, viens! Il n'y a pas de douceur. C'est pourquoi il y a même des femmes qui ne veulent pas épouser les serviteurs de Dieu parce qu'ils parlent tout le temps avec l'autorité qu'ils utilisent pour chasser les démons. Tous les enfants dans la chambre, tous les enfants, venez à genoux, levez les mains, priez. Éteignez la télévision. Alléluia. Pourquoi tu as des mauvaises réponses? Les gens se blessent tout le temps ici à l'église. Les gens ne savent pas répondre aux autres. Quelqu'un, s'il te parle avec douceur, réponds-lui avec douceur. S'il te parle méchamment, ne lui réponds pas méchamment. Nenga peselinga ngapena peselie païen. Tu es un païen. C'est le païen qui rend le mal pour le mal. Mais le chrétien, quand on lui parle avec méchanceté, il parle avec douceur. Nous sommes incapables d'avoir une véritable communion fraternelle parce que nous sommes incapables de nous répondre avec amour, même dans l'église. Mets les chrétiens, tu les mets entre là, 10 personnes, commencent à causer. Ça dégénère toujours, ça se transforme en discussion. Même les chrétiens, nos causeries finissent comme les théâtres de chez nous. Tu ne vois pas une manière de se parler dans les réunions, une manière de s'adresser la parole.
Quand vous faites même les réunions de département, on doit sentir que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas commencer à vous chamailler quand vous faites des réunions de département de l'église, vous vous chamaillez. Les choses de Dieu, vous êtes en train de vous chamailler comme si c'était un club, comme si c'était le Sénat ou le Parlement. Même les choses de Dieu, des réunions d'église, des réunions de département, on ne peut pas attendre que l'autre finisse la phrase et placer sa phrase. On se coupe, on se blesse. Le protocolaire vient, il te dit, mon frère, est-ce que tu peux quitter cette place, aller là-bas? Bonico, yelainga. Alors que le protocolaire sait que là, on est en train de construire, il y a un trou là, tu vas tomber. Tiens, yelainga, les gars, batum sous. Moussambe lara. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas converti? Quand quelqu'un est converti, on le sent par sa manière de parler. Ça te coûte quoi quand on te dit de changer de chaise, de dire merci, tu changes de chaise? Ça te coûte quoi? Pourquoi venir à l'église et ne pas changer notre manière de parler aux autres? Comment quelqu'un, tu quittes la maison et tu parles aux gens sans tenir compte que tu peux déconcentrer quelqu'un dans tout le culte, rien que par ta mauvaise parole? Dieu m'a fait grâce d'avoir été un frère qui a presque tout fait à l'église. Et j'ai pu voir à quel point des fois dans l'église, nous sommes méchants. Avec les frères, entre guillemets, qui font les basses besognes. Ce ne sont pas les basses besognes, ce sont les personnes les plus élevées de l'église. Les gens qui torchonnent quand il y a la pluie là, sont plus grands que nous tous. Les gens qui sont debout pendant qu'on prêche, sont plus grands que nous tous. Les gens là qui sont dans la boue pendant que vous êtes bien assis, eux ils arrangent. Au ciel, ils seront plus récompensés que nous. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Nous leur parlons d'une certaine manière. Méchamment. Et tu es chrétien. D'autres même décident en avance d'être méchants. N'a aucune église à Meganaro. Pese la ye moko. Asse a prépara qui n'a poche. Asse a chargea qui mundoki. Ako zoa. Lelo. Na réunion. Ako zoa. Alléluia. Et d'autres pêchent en exagérant les faits. Tu ne dis jamais une chose simplement. Par exemple, ici, on a arrangé, n'est-ce pas? Mais si tu sors ici, quand tu vas parler, même moi je vais me dire non, l'église compassion, c'est devenu, non. Les gens vont même croire qu'ici il y a de l'or. Toi tu dis tout, grave. Tu dois être journaliste mon frère. C'était comment cette fête-là? Ha! Tokenda ba fête-ti. Tokenda, tolia tomela, mais oyo, non, dis jamais vu. Pourquoi tu ne dis jamais les choses telles qu'elles sont? Pourquoi tu exagères toujours? Tu dois mettre un peu de sel, tu dois ajouter aggraver. C'est ce qui fait même que quand tu deviens serviteur, tu vas commencer à mentir sur les témoignages. Tu pries. Un paralytique marche, tu dis, ah, c'était terrible, des paralytiques, un paralytique est comme il dit, frère, le S là c'est le mensonge, tu as mis DS, D, c'était un D, frère, c'était comment quand tu as prêché? C'était une gloire incroyable. On est recru que nous étions dans la chambre haute, comme au temps de Wesley de Finney, la gloire, bien aimé, arrête. Les exagérations, c'est le mensonge. Vous êtes à combien de membres? 12 000 déjà. 12 000. Vous avez quitté combien? 2 000. Nous avons fait une veillée de 100 000 personnes. Wap. Na stade des martyrs, t'es. Quand avenu na biso. Ah, avenu na biso comme stade des martyrs. Tous ces 100 000. Des mensonges même. Les églises mentent sur le nombre de fidèles, mentent sur ceux qui font des mensonges, des exagérations. C'est pourquoi quand on entre dans des mensonges pareils, il n'y a pas de miracle, que des prodiges. Mes chers frères, vous qui prêchez, tu voyages. Un aveugle a vu, dit un aveugle. Aucun aveugle n'a vu, ne dit pas. Dit les âmes ont été sauvées, les âmes ont été délivrées, la parole a été prêchée. N'ajoute pas.
tu n'es pas en course ni en guerre avec qui que ce soit. Tu veux épouser une femme, dis la vérité. Je gagne 50 dollars, n'ajoute pas zéro à la fin. Oh, c'est la foi, zéro par la foi. Quand j'étais jeune, j'ai menti en exagérant. Et c'est quand Dieu m'a délivré du péché de la langue. J'étais un jeune qui avait grandi dans l'aisance. Mon père a vraiment nous a fait grandir dans une grande richesse. Mais après, mon père a eu des problèmes. Alors, on a eu une baisse financière et sociale. Mais tu sais, quand tu as connu la richesse et l'aisance, la plupart des enfants qui ont connu la richesse et l'aisance s'attachent à ce que les parents étaient et refusent d'admettre la réalité. Comme ça, ceux qui ont été libres, dis-moi, kakakoko, ça te amène, hein? Papa, ba nakako sala. Tozalaka nambongo. Et moi, je refusais cela. Alors, quand il fallait que j'étudie, que je suis venu à Kinshasa, malgré que mon père n'avait plus beaucoup de moyens, il s'était forcé de nous mettre dans une école très bien, très chère. Et quand on te met dans une école très chère, tu rencontres maintenant les enfants des riches. Amen. C'est-à-dire que tu étudies dans l'école des riches, mais vous n'êtes plus riches. Et tu sais, dans les écoles des riches, il y a beaucoup de complexes sociaux, vous savez ça? C'est-à-dire que quand, après les vacances, tout le monde rentre. Moi, j'étais en Belgique. Moi, j'étais à Mons. Moi, j'étais à Bruxelles. Moi, Amsterdam. J'ai ramené ces baskets. Moi, j'ai ramené ça, j'ai ramené ça. Mon sac, je l'ai acheté. Hé? Skoyozeki na lemba. Et bandeliti souka lemba. Bandobe tabale na quoi? Ozongi palé. Ah, je peux peut-être boiter, qui peut pour la tenga, peut-être dans l'oba. Et tu n'as si, et toi, tu étais où? Ben moi, j'étais en Belgique aussi. Ah, c'est vrai. Oui, oui. J'étais aussi en Belgique. Alors, ils te croient parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que tu peux mentir. Et tu sais quoi? Ils répandent. Tout le monde, c'était en Belgique, en Belgique, en Belgique, en Belgique. Ça se répand partout que tu étais en Belgique. Des fois même, on se cachait dans la maison. Deux semaines, tu ne sors pas. Pourquoi tu sortis? Tu vas sortir, tu dis que tu viens de quelque part. Eh, Nazaka Mupaga, Numoro. Et là, mes frères et sœurs, ça se répand. Et tu sais, quand tu as trop menti, des fois, tu oublies les mensonges. Un jour, ça me revient. Et au fait, Tounassi, il paraît que tu étais à Bruxelles et tout, 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 tout. J'ai menti, j'ai oublié. Non, c'était en Allemagne, c'était... Et directement là, avec un démon à côté de toi, tu dis, tu vois ces chaussures-là, mon père m'avait ramené quand il était parti aussi en Allemagne. Je vois un avion qui passe, un hélicoptère. Je crie, oh papa! Oui? Il dit quoi? Oui, c'est mon père, il est pilote dans l'armée et tout, 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 tout. Et j'avais en ce temps-là des catchs des militaires. J'ai dit, il m'a ramené ça d'ailleurs quand il était aux États-Unis. Oui? Là, les gens me craignent. Eh, Tounassi, vraiment son père et tout, tout, tout. Et moi et mon ami, on s'entendait pour mentir quand on jouait au football. Lui, il était un peu gros, je l'appelais Mandungu, le fils de Mandungu. Mais il n'était pas fils de Mandungu. Quand je lui passe la balle, Mandungu, lui me passe Kengo. Et quand les jeunes entendent, ah, moi, na Kengo, na Mandungu, bobe, ta balle. Je vous dis la vérité, exagéré. Oh, c'est grave pour ça, là, moi. Hein? Et vous savez quoi? Le jour que je me convertis, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il me dit, va dire la vérité à l'école. J'ai dit, Seigneur, tu vas dire la vérité. Tu as besoin de cette vérité, de ce mensonge? Non, va dire la vérité. Parce que si tu es dans un mensonge de grandeur, tu ne seras jamais grand. Tu dois accepter ta faible condition, que les gens te reconnaissent tel que tu es, pour que Dieu te prenne et t'élève. Je suis allé voir mes amis à l'école. Je leur ai dit, je dois vous dire une chose, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais vous savez, je vous avais menti que c'est catch. C'est mon père qui m'avait ramené des États-Unis, c'est faux. J'avais acheté ce Messie à Kinshasa, mon père n'est pas pilote. Et tout nazi. Là, le diable me dit, Marcelo, arrête. Dieu me dit, continue. Et j'ai menti, j'étais allé à Bruxelles, et tout, je ne suis jamais allé en Europe, jamais. Je n'ai vu l'Europe, l'Allemagne, jamais. Je ne suis pas fils de Kengo. Vraiment, pardonnez-moi, je vous ai menti. Les gens sont restés bien.
Ils allaient me critiquer. Il avait menti. Un mois, ils en parlent. Deux mois, trois mois. Ils me voient grandir dans la parole, dans la sagesse, dans la puissance, dans l'onction. Une année, deux ans, trois ans, quatre ans. Maintenant, je pars là où j'avais menti. Je pars quand je vais là où j'avais menti. Maintenant même, si je vais partir demain là, je vais partir. Je pars. Pourquoi? J'ai dit la vérité. Yo, qui n'était pas nini. Osakana Lokuta. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas seulement prier ni adorer. Être chrétien, c'est vivre dans la vérité, c'est dompter sa langue. Que Dieu vous bénisse abondamment.